Eh bien, salut à tous. Nous voilà dans Boule Pétanque. Boule Pétanque, c'est un jeu de pétanque en VR. Vous voyez, nous sommes sur le café de la place et on va tout de suite aller jouer. Le café de la place, le petit robot qui est mon adversaire, ici à droite. Et vous voyez, il lance très très bien les boules. Et nous pouvons nous déplacer par téléportation et on se retrouve à côté des boules si on a envie. Voilà, nous sommes dans un joli petit village, ma foi. Et donc pour vous déplacer, ben vous retournez vers le robot et c'est à moi de tirer ma boule. Donc, eh bien c'est parti. Donc je prends ma boule et on va essayer de faire mieux que lui. Allez. Ouh, oui, pas mal. Allez, à toi mon gars. Ah là, t'es gonflé quand même. Hein. T'es gonflé, vas-y. Alors bien sûr, on a trois boules chacun. Et oh, je suis parti loin, merde. Et on fait une partie. Alors c'est tout simple, hein. C'est tout simple, mais c'est vachement bien. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut jouer en multiplayer, en multijoueur, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment excellent. J'ai fait une partie avec un ami de la VR qui s'appelle Laurent. Et franchement, on s'est bien amusé. Et vous pouvez parler en plus, hein, donc c'est vraiment comme si vous y étiez. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa, hein. Le jeu est à 5 euros. Donc vraiment pas cher du tout. Ah voilà. Là, je me rapproche. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah ben rien, tu fais rien du tout, mon gars. Allez, allez. Ouais, ben il faut taper plus fort. Faut taper plus fort. Allez, donne. Regardez. Et hop. Ah, je vais taper tes boules. Ouh, ah, j'en ai peut-être deux là. J'en ai peut-être deux. Et on va essayer de passer sur le côté. Ah là, ça donne rien. Et bien voilà. Donc vous voyez, il y a 2-2. C'est le troisième round. C'est à moi de tirer le cochonnet. Je prends mon cochonnet et je le lance dans le carré. Et c'est parti. Donc vous voyez, c'est tout simple. C'est vraiment pas compliqué. Et voilà. Et c'est un jeu qui est vraiment vraiment sympa parce que, écoutez, on a vraiment l'impression d'y être. C'est simple comme tout, mais vraiment, c'est vraiment, on a vraiment l'impression de d'y être. Et alors, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir des parties à 2 contre 2 et 3 contre 3. Le développeur, qui est un développeur russe, est en train de de développer le jeu, de l'améliorer petit à petit. Et il va y avoir des tournois qui vont commencer à partir de la mi-janvier, normalement. Des tournois où est-ce qu'on pourra toujours tous jouer ensemble. Écoutez, je me fais pas plus long, puis je vais peut-être aller au café de la place, boire un petit verre de vin, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Allez, je vous laisse. Salut, salut!